Nogent-sur-Marne, près de Paris, la maison d'Yvette Horner. La porte poussée, on découvre le roi accordéon. Un roi qui a métamorphosé le living room en temple. Rien n'a échappé à son emprise. Ni la cheminée, ni les glaces, ni les appliques, ni les cendriers. Il est de partout, bref, ici, l'accordéon est religion. Il constitue l'environnement du repos de la guerrière, laquelle, à sa manière, lui rend un hommage fétichiste. La maîtresse de maison lui doit en effet tout. Renommée, gloire, argent. Leur noce dorée date de 1950. C'est un vieux couple uni par les liens d'un succès étonnant et continu. La vente des disques est là pour en témoigner si d'aventure quelqu'un en doutait. Je suis arrivée à 20 millions de disques. Oui, vous collectionnez les disques d'or, et voire même les broches en or. Oui. Vous y tenez beaucoup à cette broche en or. Hein? Oui. Faites-moi la voir. Parce que c'est... Pourquoi vous ne la mettez jamais, au fait? Parce que je la trouve trop importante. Je n'aime pas... Ça m'ennuie de m'afficher avec ma... avec ma broche en disant, voyez, c'est moi, je suis Yvette Horner. Alors, je ne la mets jamais. Là, bien sûr, vous m'avez demandé ce que j'avais reçu, quels étaient mes trophées, mes récompenses. Alors, je vous la fais voir... Voilà, c'est mon premier millionième disque, ici. C'est noté derrière, d'ailleurs, la firme de disques qui me l'a offerte. Et c'est un accordéon miniature, en broche, le clavier est en diamant, voilà. L'accordéon vous a beaucoup apporté, vous a beaucoup donné. Vous êtes riche, vous êtes célèbre. Qu'est-ce que vous lui avez donné, vous, à l'accordéon? Alors là, ça m'est très difficile de répondre parce que moi, je ne peux pas vous dire... Yvette Horner, j'ai apporté quelque chose d'extraordinaire à l'accordéon. Ça, je ne peux pas vous le dire. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de jouer toujours d'une façon propre. Ça, oui, j'ai la prétention de le dire parce que... J'ai quand même toujours travaillé énormément et je pense que, si vous voulez, j'ai apporté un nom. Le nom, si vous voulez, est associé avec l'accordéon, mais enfin, ce ne serait pas tellement à moi de répondre car je ne peux pas vous dire que j'ai fait des choses extraordinaires. Alors, ici, vous donnerez un tambourin, ici, on aura une séance de répétition avant un enregistrement dans les studios d'une grande marque de disques. Le tambourin et les maracas font exactement ce qui est écrit, les basses. Et alors ici, alors, alors là, le rythme continue. Hein? Au signe, on fera une répétition avec l'orgue, hein? le passage de la fugue, disons orgue, guitare. Hein? Pardon? Exotico, oui. Mais pour le moment, nous allons voir laisser aller la musique. Hein? Thank you.
Minutieuse, précise, exigeante, attentive, critique, n'épargnant personne, Yvette Horner travaille, incontestablement, c'est une professionnelle. Alors, c'est-à-dire que nous allons reprendre... Alors, José, vous en voulez de plus, hein? Voilà, un peu plus de guitare, un peu plus de basse. Oui, hein? D'accord. Et donc, je vais un tout petit peu maintenant retirer le saxo. Hein? Oui, d'accord. Alors vous me donnez... il se recule un petit oui, peu. Oui, seulement, est-ce que là, l'écho mono, est définitif, hein? Vous êtes... Ah oui, c'est de la mono, hein, c'est pas de la stéréo. Ah oui, alors vous m'en mettez un peu plus. Parce que c'est de la mono. Hein? Vous un peu plus d'écho. Alors, je vous en mets un peu plus, d'accord, bon. Hein? D'accord. Oui, bien sûr, j'ai mono, très bien, hein? Compris, d'accord. Bon, merci, Serge. José, vous voulez me donner un peu de guitare, voir? Yvette Horner, il y a une chose qui me frappe. Nous sommes dans votre living room. Il y a beaucoup d'accordéons. Il y a aussi une chose, il y a un piano derrière vous. C'est simplement un élément de décor ou si c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Ah, c'est une chose très importante pour moi. Très importante puisque j'ai débuté par le conservatoire à Toulouse. J'ai donc eu mon prix au conservatoire à Toulouse. Prix de piano? Piano. J'ai travaillé énormément. Au départ, avant de jouer de l'accordéon, je jouais déjà en public. Je faisais déjà des concerts. Et en classe, j'avais donc 11 ans lorsque j'étais avec des élèves qui avaient 22, 23 ans. Et puis ensuite, mes parents m'ont demandé d'apprendre l'accordéon. Alors, en petite fille docile, bien sûr, car on n'avait pas le droit, je n'avais pas le droit d'être rebelle et bien sûr d'écouter mes parents, j'ai appris l'accordéon. Et bien sûr, je dois dire quand même que pendant 3 ans, j'ai été dans une profonde tristesse en apprenant l'accordéon, car pour moi, le piano, c'est un être cher, et d'ailleurs c'est toujours un être cher que j'ai dans mon cœur, c'est un amour qui ne mourra jamais. Écoutez, si on oubliait l'interview, 3 minutes, que vous fassiez plaisir à vous, et par la même occasion à moi, il est derrière vous 3 ou 4 notes pour le plaisir. Une exception. Une exception. Soyez gentil, s'il vous plaît. Allez-y. Ah. Allez-y comme ça, tout simplement. Ça. Oui, oui. Vous me demandez une chose. Savez-vous que j'aurais aimé continuer à travailler le piano, mais avec la vie que je mène, ce n'est vraiment pas possible de pouvoir s'entraîner et travailler. Pourquoi vous ne rentrez jamais dans une salle de concert? Je n'assiste jamais à des concerts de piano, car je suis... Pendant 3 jours, j'ai de la difficulté à me remettre. L'accordéon, pour moi, est une grande chose. J'aime mon instrument. Je joue avec beaucoup d'amour. Je ne vois pas la vie
sans accordéon. Est-ce que vous souffrez d'un certain mépris de la part de certaines gens, d'un certain mépris qui entoure l'accordéon? Oui. Beaucoup. Beaucoup, parce que ces gens ignorent que nous jouons sur un instrument qui est très noble, un instrument sur lequel on peut jouer de belles œuvres. Je suis vice-présidente de l'Union nationale des accordéonistes de France. Nous organisons des concours, dont le dernier concours dans l'année où nous remettons la coupe du président de la République. Nous exigeons dans nos concours qu'il y ait absolument au programme de véritables œuvres. C'est-à-dire ? Des œuvres qui sont écrites par des prix de Rome. Des œuvres de grands maîtres, de Beethoven, des choses qui sont jouables à l'accordéon. Et là, bien sûr, dans ces concours, alors vous avez là ces gens qui n'aiment pas l'accordéon, s'apercevraient que c'est un instrument comme les autres et que l'on peut faire de très belles choses. Un samedi soir dans la vie d'Yvette Horner. Ce samedi soir porte un nom, Montbéliard. Dans 2 heures, cette salle des fêtes accueillera 3500 personnes réunies sur le nom d'une seule vedette, le sien. Les chanteurs et chanteuses français capables d'atteindre ce chiffre se comptent sur les 5 doigts de la main. Tous les organisateurs de l'Hexagone ont su en tirer les conclusions et pour eux, l'accordéon reste le roi du tiroir caisse. 1, 2, 3, c'est la marche. Et celle-ci, elle marche, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous entendez au fond? Il y a Saltarelle. Hein? Et puis laisse aller la musique. Les choses. Je pense, dis-moi, dans le programme au départ, je mettrai mille feux. Hein? Tu te souviendras. Alors, le rendez-vous. Où est le rendez-vous? Il y a ma jalousie aussi, qu'il faut oublier. On va déjà placer ça. Le rendez-vous, laisse aller la musique. Et maintenant, la star mondiale de l'accordéon, Yvette Horner. Thank you.
Je fais, si vous voulez, un programme d'accordéon pur, un programme avec tous les succès de la pop, enfin toutes les danses nouvelles, puisque je suis équipée pour. Et c'est à la demande, c'est en fonction du public qui se trouve dans la salle. Si dans le cas il y a des gens qui seraient plus nombreux pour le musette, à ce moment-là, nous jouons davantage de musette. Mais si c'est le contraire, eh bien, nous jouons à ce moment-là, et toute la soirée, nous pouvons jouer à ce moment-là du moderne. Que lui apportez-vous finalement au public ? Au public, j'espère lui apporter un peu de gaieté, un peu de joie, car il y a tellement de problèmes dans la vie, tellement de difficultés. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous vivons une vie, enfin pour tout le monde, je trouve, ce n'est pas le tout repos ou le repos de l'esprit, pas du tout. Alors je pense lui apporter un peu de gaieté, un peu de détente. Voilà, c'est cela un gala d'Yvette Horner, un gala qui dure 5 heures, sans pause, le tout vendu brut 7500 francs plus les frais. Cela se renouvelle tous les samedis soirs et cela dure depuis 23 ans. Un gala parmi tant d'autres, oui, mais qui nous révèle un instantané, celui d'une carrière et d'une réussite.